بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 11 sur le cours du produit vectoriel niveau Bac 1 Sciences Math, l'année scolaire 2021-2022. On considère les points suivants: A de coordonnées 2, 4, moins 5, B de coordonnées 1, 0, 4 et C de coordonnées 0, 3, 1. Petit 1, vérifiez que les points A, B et C ne sont pas alignés. Petit 2, calculez l'aire du triangle ABC. Troisième question, déterminez une équation cartésienne du plan ABC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, nous corrigeons notre exercice. Réponse. Petit 1. Vérifions que A, B et C sont non alignés. Maintenant, on a plusieurs possibilités de vérifier que les points A, B et C sont non alignés. Nous allons choisir celle du produit vectoriel. On va calculer le produit vectoriel, par exemple, du vecteur AB et AC, et on va trouver que ce produit vectoriel il est non nul. S'il est non nul, alors les points sont non alignés. S'il est nul, alors les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires, c'est-à-dire les points sont alignés. Ça y est, on est d'accord? On a le point A qui a pour coordonnées 2, 4, moins 5. Le point B de coordonnées 1, 0, 4. Et le point C a pour coordonnées 0, 3, moins 1. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont 1 moins 2, c'est moins 1, 0 moins 4, c'est moins 4, 4 moins moins 5, c'est 9. Et les coordonnées du vecteur AC sont 0 moins 2, c'est moins 2, 3 moins 4, c'est moins 1, moins 1 moins moins 5, c'est 4. Donc les coordonnées du vecteur AC sont moins 1, 3 et 4. Donc, ou bien d'où, le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC, est égal, premier déterminant, extrait de ces deux vecteurs, moins 4, 9, moins 1, 4. Le tout fois le vecteur I, moins, deuxième déterminant extrait, moins 1, 9, moins 2, 4. Fois le vecteur J, plus le troisième déterminant extrait de ces deux vecteurs, moins 1, moins 4, moins 2, moins 1. Le tout fois le vecteur K. Ceci est égal, moins 4 fois 4, c'est moins 16, moins 16 plus 9, c'est moins 7. Moins 1 fois moins 4, c'est 4. 4 plus 18, c'est 22. Donc moins 22. Moins 22 fois le vecteur J. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. 1 moins 8, c'est moins 7. Moins 7 fois le vecteur K. Et comme vous voyez, on a calculé ce produit vectoriel et on a trouvé qu'il est différent du vecteur nul. Par suite, le vecteur AB et le vecteur AC sont non collinéaires.
son nom collinéaire. N'est-ce pas? C'est-à-dire A, B et C sont non alignés. كي قلنا من هذه الطريقه هذه حيت استعملنا فيها البرودوي فيكتوريال اللي هو الاساسي في هذا الدرس باش نفهموا اشنو نقدروا نديروا بلو برودوي فيكتوريال ها دونك ها هو حنا استغلينا باش نثبتوا بان لي بوين ا بي سي سون نو اليني ورا كي قلنا كاينين دوطغ ميثود ربما اسهل اون كونتينيو maintenant on va calculer l'air du triangle ABC. On a, d'après la propriété, l'aire du triangle ABC, c'est 1 demi fois la norme du produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC. On a déjà démontré ça pendant notre cours. Ceci est égal à 1 demi fois la racine carrée de moins 7, le tout carré, plus moins 22 le tout au carré, plus moins 7 le tout au carré. Et on calcule tout ça. Bon, si mes calculs sont bons, alors ce résultat c'est 1 demi fois la racine carrée de 582. Déterminons une équation cartésienne du plan ABC. Bon, vous avez ici le plan ABC. Ici A par exemple, ici B, ici C. Et le vecteur normal à ce plan, c'est le vecteur AB vectoriel AC. Donc si je prends un point M quelconque de ce plan, le vecteur AM avec le vecteur AB vectoriel AC sont orthogonaux. N'est-ce pas? Et à partir de cette relation mathématique, on va trouver l'équation cartésienne ou bien une équation cartésienne de ce plan ABC. Donc, soit le point M de coordonnées x, y, z qui appartient au plan ABC. Ceci équivaut à dire que le vecteur AM scalaire le vecteur AB vectoriel AC est égal à 0. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà démontrée dans notre cours. Ceci équivaut à, ou bien je peux d'abord chercher les coordonnées du vecteur AM, et comme le vecteur AM a pour coordonnées XM moins XA, c'est-à-dire X moins 2, YM moins YA, c'est-à-dire Y moins 4. ZM moins ZA, c'est Z plus 5. Et les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC, on l'a déjà calculé. Voilà, moins 7, moins 12, moins 7. Voilà, donc les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC. Alors, le vecteur AM scalaire, le produit de vectoriel des deux vecteurs AB et AC, est égal au produit de leur abscisse, c'est-à-dire x moins 2, le tout fois moins 7, plus le produit de leur ordonnée, y moins 4, le tout fois moins 22, plus le produit de leur cote, c'est-à-dire z plus 5, le tout fois moins 7. Et tout ça est égal à 0. Ceci... Ah, j'ai oublié le 0, Blati. Je m'excuse. Ceci est égal à 0. Ceci équivaut à x moins 2
de 2 fois moins 7 plus y moins 4 le tout fois moins 22 plus z plus 5 le tout fois moins 7 est égal à 0. Maintenant, je simplifie cette écriture mathématique. Donc, ça donne moins 7x plus 14 moins 22y plus 88 plus ou bien moins 7z moins 35 est égal à 0. Conclusion, le plan ABC a pour équation cartésienne moins 7x moins 22y moins 7z et puis je calcule 14 plus 88 donc je vais faire ce calcul, j'ai trouvé 67, donc plus 67 est égal à 0. Bon, si mes calculs sont bons, alors l'équation cartésienne de ce plan, c'est moins 7x, moins 22y, moins 7z, plus 67. Ou l'angle de 7x plus 22y, plus 7z, moins 67 est égal à 0. C'est la même chose. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzétu, Marrakech. À très bientôt.